Ah, vous aimez la nostalgie, hein, vous l'appréciez? J'ai vu l'émotion sur vos visages quand vous m'avez vu enfant à 8 ans avec ma mèche rebelle et ma tête à claque. Il se trouve que j'aime moi aussi la nostalgie aujourd'hui. On n'a plus 8 ans, mais on va jouer au jeu auquel je jouais quand j'avais 8 ans, à savoir des jeux flash. À l'époque, je jouais sur Absolu Flash et le site n'existe plus. Mais pas de panique, les jeux flash, ça existe toujours. On va jouer à une petite flopée de ces derniers et cela va nous divertir. Ah bah pourquoi ne pas tout de suite aller dans les meilleurs jeux de la semaine? Fidget Spinner. Non, non, ne me dites pas. Non, mais non, c'est non. C'est un non, c'est un gros non. Énervé, détruisez cette bannière. Oui, je le fais, ça m'a vénère, mon gars, ton putain d'Endspinner. Je la pète, y'a quoi derrière? Me dis pas qu'il y a Endspinner derrière. Ah, putain de merde! La reine... Ah, c'est quoi ça? Mais vous allez briser des enfants, là, mon gars. La reine des glaces chez le dermatologue. Mais qu'est-ce qui se passe sur ce site? En plus, c'est la reine des glaces, mec, c'est la des verrues, elle peut se débrouiller elle-même avec le froid. L'azote, elle le crée, la reine des glaces, ok? Bon. On va t'aider, voilà. On retire tes petits boutons, un par un. Ça va aller, t'inquiète pas. Anna ne te considère plus comme sa sœur, c'est tout. Sinon, ça va. Des ciseaux. Ah, elle a des poils en plus, d'accord. C'est pas que un problème de boutons, là. C'est pas que de la peau. Là, on a de la barbe. Et là, je fais quoi avec ça? Oh non. On lui laserise la peau, mais ça va pas, putain, ça m'écœure. Mais c'est le traitement d'un vrai problème de peau, ça, mec, de te mettre un sabre laser sur la gueule. Ah bah, vu ce qu'il a pris, Dark Vador va avoir beaucoup d'acné, hein. Je trouve qu'elle était pas mal, parce que ta vie, il y avait un petit sous-entendu et tout. Mais non, mais arrêtez. Et en plus, elle a des bactéries. Mec, j'espère au moins qu'à la fin, elle sera belle, hein. Je veux plus jamais la voir, Elsa, dans cet état. Ça m'a brisé le cœur. Ok, niveau suivant. Ah, l'électricité maintenant. C'est n'importe quoi! Bientôt faudra lui mettre des coups de pied pour retirer son acné, quoi. Ah bah oui, un pistolet laser, mec, ça retire de ouf. Je crois que je pense jeu trop à cœur. J'oublie que c'est un jeu destiné aux enfants de 6 ans. Ça, pas du tout. Ok. Ah, y'a des araignées! Oh putain, c'est fini. Ne me regarde pas comme ça, je n'ai rien fait. C'est de la torture, quoi. En fait, c'est du clickbait pour enfants. Alors l'enfant, il voit la reine des neiges avec une peau ignoble et tout, avec marqué aide là, il fait. Et il clique pour l'aider parce qu'il y croit, l'enfant, putain. C'est scandaleux. Ah, les opérations, j'aime bien ça, ça c'est drôle ça. Êtes-vous prêt à avoir envie de vous flinguer? C'est parti. Dans le bloc. Désinfectez-vous les mains, on va opérer. C'est parti. N'essaie pas de reproduire ça chez toi. C'est génial. Vous pensez qu'étant enfant, on aurait pu se dire hey, Stéphanie, viens, je vais essayer sur toi. Je parlais comme ça quand j'étais enfant. Aujourd'hui, notre patiente s'appelle Mary Wilson. De retour à l'école après les vacances, elle a remarqué que sa vision était trouble. Un ophtalmologue lui a diagnostiqué une opacification du cristallin, également connu sous le nom de cataracte. Hé hey, c'est ma grand-mère qui a eu ça. Tu vas devoir remplacer le cristallin opacifié de Mademoiselle Wilson par un cristallin artificiel. Ça lui permettra de revoir comme avant. C'est exactement ce que ma grand-mère a eu. Anesthésie locale. Ah, c'est avec des gouttes l'anesthésie locale pour les yeux. Oh, c'est cool. Ça change de l'énorme aiguille de 8 cm qu'on t'enfonce dans la peau. Ok, on nettoie. Voilà. Oh putain. Ça me donne la gerbe, ces zooms. Ça me donne la gerbe. J'ai l'impression que d'un coup, on va découvrir un truc bizarre. Il nous faut un spéculum pour maintenir ses yeux ouverts. Le moindre clignement au cours de l'opération pourrait avoir des conséquences désastreuses. Mais mets-le dès le début, putain! Oh, rien que ça, ça me fait serrer les fesses. On va commencer par une petite incision dans la cornée. C'est parti. Ah mec, ça me met dans des états cette merde alors que c'est des dessins. Mais je crois que on l'a déjà fait un jour en vidéo en plus cette opération. En tout cas, c'est dégueulasse. C'est ignoble. On l'a déjà fait, je m'en souviens. Attends, je suis en train de... On arrête tout. Là, on s'en bat les couilles de la patiente là qui s'opère, on s'en fout. On a déjà fait cette opération, vous vous rendez compte? J'avais oublié. C'est peut-être mon cerveau qu'il faut opérer là. Oh, ça dégage. Momo.io, c'est quoi ça? Il y a tellement eu une grosse flopée de jeux .io, mon gars, après Agario et tout là. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ce jeu? Je dois miner? Mais non, mais t'es sérieux là? Ma vie, c'est ça. Bon bah ok. Je suis sûr quand j'aurai terminé de miner, on va avoir un pouvoir de ouf après. Regardez bien. The fuck? Me suis cassé les couilles pour rien? Oul, t'es mort. Tiens! Mais putain, je clique sur la fenêtre, pourquoi ça scrolle la page? Mais non, le rêve. Drift Runner 3D, mec, il est sorti. Ça fait 2 ans et demi que j'attends que ce jeu sorte, mec, attends. Ne me dis pas qu'on va pouvoir drifter avec des voitures en 3D, s'il te plaît. C'est énorme. Quand tu passes une vitesse, ça fait le bruit des portes d'un bus qui s'ouvrent, c'est génial. Le premier rendez-vous d'Ellie. Oh putain, il est BG. Faut absolument qu'on réussisse à le séduire. Comment on va s'y prendre? Salut Ellie, je t'ai repéré à l'école, ça te dirait qu'on sorte ensemble aujourd'hui? Oh, celui sur qui j'ai des vues me propose de sortir avec lui aujourd'hui. Je la vois abîmée, j'arrive pas à faire la femme. Aide-moi à me préparer pour notre premier rendez-vous. Oh là là, putain mec, on dirait la... Quelle tenue on va mettre pour Ellie? Ah, la coupe cheveux court, allez hop. La coupe reine. Un petit jean avec des trous. Ou un petit short, il fait chaud, c'est l'été. Le haut avec le pug, bien évidemment. Et la petite veste rose comme ça, c'est très bien. Le petit sac Bob l'éponge et le bandana, c'est parti. Et l'appareil photo pour mener à bien notre vlog, bien sûr. Nous passons maintenant au maquillage. Ce qui est bien, c'est que c'est pas cliché du tout, j'adore. Un poil de masse.
Quoi ? Ah, c'est à moi de me maquiller avec la souris, d'accord. Et voilà, ça suffira, juste du mascara. La beauté naturelle le touchera en plein cœur. Putain, vas-y, je m'en fous, moi je vais voir comment ça va se passer le rendez-vous. Et le moment qu'on attend tous, le rendez-vous, comment ça va se passer ? Il nous a amené des fleurs. Attends, c'est tout ? C'est juste une image ? Non, 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 Ellie, non ! Mais non, mais je m'en bats les couilles à télécharger ! Mais non ! Mais non ! Quelle arnaque, ça dégage. Oh putain, c'est quoi ce truc qui s'est ouvert ? Oh, on dirait un cauchemar ! C'est que des trucs où faut habiller des filles, les maquiller ou leur mettre du vernis, mec. Ça dégage ! Alors ! Ah, un jeu de chasse. Deer Hunter. Ne me dis pas qu'on va pouvoir chasser des cerfs et des biches. Ne me dis pas ça. Oh ! Oh, un test d'amour, mec. Oh oui, j'entre mon nom, Lucas. J'entre son nom, Maxence. Oh, on est compatible à 85%, mon amour. Oh, même la caméra est jalouse, elle s'est arrêtée. Oh, attendez, y'a Ellie qui est de retour et qui veut qu'on se prépare ensemble. Get ready with me. Oh, tu vas nous faire un what's in my phone tag. Eh ben attends, je crois que si je prends des morceaux de vidéos de vraies youtubeuses beauté et que je les mets par-dessus le gameplay, on va croire qu'Ellie nous fait une vidéo là. Commence par appliquer ma petite crème pour le visage sur tout mon visage. Voilà, comme ça c'est fait et ça laisse le temps à ma peau de bien faire pénétrer la crème pendant que je ferai autre chose. On passe aux sourcils. J'applique la poudre. J'utilise ensuite le mascara et vous allez voir le rendu qu'il donne sur mes cils, c'est assez dingue. Bon voilà, c'était une journée un petit peu comme les autres, on va dire. On s'abonne, on s'abonne. C'est la nouvelle youtubeuse qui fait le buzz sur internet, c'est Ellie. Un maximum d'abonnements pour Ellie. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo sur ces différents jeux flash. J'espère qu'il vous a plu, c'est quand même, n'hésitez pas à aimer comme d'habitude. Et bah écoutez, les jeux flash, ça a bien changé. Je suis impressionné par le nombre de jeux où faut juste habiller ou maquiller une fille, c'est incroyable. Bref, c'est le moment d'arrêter d'être nostalgique et de se dire au revoir. A bientôt.